fait 7 ans que je participe au WAC, mais en fait, je suis là depuis les tout débuts. Ce que ça m'apporte de m'impliquer au WAC, c'est d'être pour et par la communauté. Donc, je suis dans le numérique et je redonne au numérique. J'adore mon travail, mais je suis jamais en ligne directe avec une clientèle en particulier. Donc là, moi, ça me permet vraiment d'échanger, d'apprendre de nouveaux métiers, découvrir des entreprises de Québec, de les valoriser. Donc je pense que c'est ça que ça m'amène vraiment à un univers complètement différent. Bien, le WAC me permet de découvrir plein de choses par rapport au web. Moi, je m'occupe essentiellement de la gestion de réseaux sociaux, de rédaction sur le web. Donc, en allant au WAC, ça me permet d'apprendre plus, d'élargir mes horizons au lieu de rester dans mon petit bloc là, de communication. C'est vraiment pouvoir m'éclater puis tester, c'est aussi d'apprendre. J'ai participé l'année passée pour la première fois. J'ai adoré mon expérience puis je me suis dit cette année, je m'implique plus. Je veux vraiment voir comment on arrive là de A à Z. C'est au tout début quand j'ai commencé au WAC, je me suis fait jumeler avec l'équipe de communication. J'étais zéro familier avec ça puis... Pour vrai, j'aime ça jusqu'à présent, puis j'ai l'intention de rester dans le comité des communications. C'est ce qui m'a donné un beau réseau de contacts et qui m'a permis de me trouver mon premier emploi dans le domaine. J'ai hâte de voir la réaction des gens par rapport à la programmation. Cette année, on a fait un bel effort pour avoir des talents locaux, des talents québécois sur la scène, des talents diversifiés aussi. Donc, au niveau des thématiques, on va avoir des choses vraiment intéressantes, je pense, cette année. Donc, j'ai hâte de voir les réactions des gens par rapport à la programmation. Ben, c'est le fun, c'est une belle communauté. Il y a beaucoup de sujets que je traite qui sont plus des passions pour moi qu'un métier. Et donc, ça, c'est le fun. Ouais. Fun fact, c'est la 10e édition du Web à Québec.